Bonjour, on va voir ensemble comment réaliser une dérivation de Lewis à l'électrocardiogramme. L'électrode du bras droit est déplacée vers le deuxième espace intercostal parasternal droit, l'électrode du bras gauche au quatrième espace intercostal parasternal droit. La dérivation de Lewis peut aider à détecter l'activité atriale et sa relation avec l'activité ventriculaire. L'électrode du bras droit est placée au niveau deuxième espace intercostal droit. L'électrode du bras gauche est déplacée vers le quatrième espace intercostal parasternal droit. Sur l'ECG, la dérivation de Lewis est la dérivation D1.